Bonjour. Quand vous êtes dans la gestion et que vous êtes éditeur de la plateforme LearnBright de la Cité, c'est la première chose que vous voyez. Ici, vous avez différents outils de gestion. En haut, c'est pour les personnes qui sont inscrites et invitées. Vous avez aussi la gamification qui vous montre un grand nombre de documents. Je clique sur ça, ça va vous donner tout un tas de rapports. La plateforme n'est pas utilisée comme un lieu de jeu où on gagne. Et c'est pareil pour ça. Par contre, ici, vous avez les éléments analytiques. Ça, c'est fondamental. Ici, vous avez les rapports de fréquentation. Ce rapport est sous plusieurs formes. Il y a de nombreuses pages avec les personnes qui ont participé, leur adresse courriel. Il y a aussi ici des graphique qui vous montre l'utilisation qui est faite ou la non-utilisation, et là vous avez toutes les pages possibles des différentes personnes. Évidemment, vous avez là un curseur qui vous permet de voir horizontalement tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé, le nombre de minutes, le nombre de secondes, etc. On sait exactement combien Mademoiselle X a visité de pièces, combien elle n'a pas visité, il y en a 70. On peut voir évidemment que ceux qui sont dans la gestion sont évidemment beaucoup plus présents. Quelquefois, il y a des invités pour la gestion, pour pouvoir vérifier que quelque chose fonctionne bien, sans déranger les professeurs, par exemple. Tout ce matériel est évidemment très important. On peut évidemment le transformer en PDF, l'imprimer. Ce sont des choses essentielles pour la gestion de la cité, je pense. Ensuite, si nous revenons là, nous pouvons voir dans la gestion un élément fondamental. C'est la capacité d'éditer. Il y a deux éléments. Là, c'est les noms principaux, la manière de décrire l'école. On peut toujours ajouter des tags ou en enlever. Ensuite, là, vous avez la liste de tous les espaces qui existent. Et ici, surtout, vous avez une barre qui vous montre les espaces qui sont déjà inscrits. Si ils sont surlignés en gris, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore entrés. Ils ont été créés, mais ils n'ont pas été agglomérés avec les espaces visibles et visitables. Donc, pour l'instant, tout est visitable. Il n'y a pas d'espace en préparation. Ici, évidemment, vous avez des boutons pour visiter, pour éditer. Essentiellement, vous avez un petit bouton là en haut, dans le premier écran. Très important. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous donne la possibilité d'aller au-delà de la liste des 70 espaces qui existent. Ça vous permet d'aller dans différents niveaux de gestion. Ici, vous avez des fonctionnalités. Elles sont très importantes, il ne faut pas y toucher souvent. Elles sont là pour la totalité des espaces. C'est des choses écrites en anglais, quelquefois c'est un peu difficile à comprendre. Mais ici, vous avez des possibilités d'ajouter des photos avec des limites. À quoi servent ces photos? Eh bien, soit des petites vignettes, soit pour le dashboard, soit pour quand vous ouvrez le site, la première chose que vous voyez, c'est une photo pendant laquelle le reste de l'espace se télécharge. Bien évidemment, il y a sur cette page des choses intéressantes, mais bon, c'est pas très très important. Par exemple, la Word Invite from Space Enable, Client Invite Button Send Invite. Ça veut dire que on peut prendre ça comme possibilité ou on peut bloquer cet espace pour empêcher les gens d'inviter. Évidemment, vous avez besoin que
l'espace, le campus soit visitable par vos invités. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose d'acceptable. Ici, on a supprimé les achievements parce que ce n'est pas une plateforme de jeu. Par contre, pour le reste, c'est bon. Ici, on a bloqué le partage. On ne veut pas que les visiteurs puissent envoyer le lien de la page à des amis et qu'ils puissent rentrer. Voilà, ça c'est le premier élément très simple de la gestion. Deuxième élément, peut-être un peu plus intéressant, c'est les experimental settings. Donc évidemment là, il y a beaucoup de choses qui sont enable et certaines sont disable. C'est évident que c'est à force, on comprend pourquoi. Je ne fais pas le détail, c'est vrai qu'il est fondamental que vous compreniez l'importance des visiteurs de pouvoir se déplacer, l'importance qu'ils puissent communiquer, l'importance des avatars de s'exprimer et que ce soit avec le corps entier, pas uniquement la tête. Les trois quarts des gens qui visitent la 3D sont des presenters, n'est pas des VIP, pas des éditeurs. Et ici, vous avez l'espace qui normalement devrait être rempli pour des communications, appels audio et vidéo en dehors de LearnBrite et donc à l'intérieur de Teams, l'abonnement de la cité, pour éviter des frais supplémentaires. French, ça c'est important de le choisir. Et autre chose qui est important, c'est le dernier espace. Ici, vous avez, c'est important d'obliger les visiteurs à avoir des avatars. Ça, c'est important pour l'identification. Sinon, évidemment, le reste, c'est naturellement des choses acceptables. Random choice order, il vaut mieux pas, parce qu'il faut que les gens se retrouvent. Ce n'est pas un espace de jeu. Sinon, ici, plus bas, vous avez des chiffres qui sont choisis par défaut, c'est bien de les laisser. Ce sont des questions d'ombre. C'est bien de laisser comme c'est. Voilà, je pense qu'essentiellement là, tout est bien noté, tout est facile. Le reste n'est pas du tout important, bien sûr, c'est la version du logiciel utilisé. Quand on a fait des modifications, on doit sauver, save en bas. Donc ça, c'est un univers de gestion important. Quand on est dans la partie supérieure, colorée, vous devez savoir qu'on peut déplacer, en attrapant cette poignée, on peut déplacer un élément pour le mettre avant ou après. L'ordre des choses, évidemment, c'est l'ordre d'importance. Il vaut mieux que les salles de classe soient en haut. Ici, vous avez évidemment des possibilités de bloquer quelque chose. Vous pouvez le rendre invisible, vous pouvez décider que cet espace est l'espace principal. Par exemple, ici, vous voyez, c'est l'entrée de l'école, elle est landing space. Les autres ne sont pas des landing space. On ne peut pas entrer n'importe comment. C'est le lien pour visiter. C'est avec ce lien-là, cette porte-là, que vont s'ouvrir la totalité des autres espaces. Voilà, je peux enlever évidemment ce petit bouton bleu, tout va disparaître en dessous, tout a disparu, voilà, il n'y a plus rien. Comme je n'ai pas fait de modification, je n'ai pas besoin de sauvegarder. Ce genre de gestion existe bien évidemment à l'intérieur de chaque espace, mais ne gère que l'espace. Par exemple ici, on a les trois petits points, on a absolument la même chose. On peut bloquer, on peut ouvrir, on peut éditer. Alors quand on est sur Edit pour un espace, on a la même chose. Avec ce petit bouton, on voit apparaître tous les autres tiroirs qui permet de nuancer d'un espace à l'autre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On peut évidemment modifier en permanence les contenus souhaités, la description, les tags. Ces tags vont à l'avenir servir comme moteur de recherche pour la gestion. Il est fondamental de bien visiter la totalité de ces éléments. Quand on est dans les espaces, pas dans l'entrée de l'école ou de la gestion principale, mais dans chaque espace, on a
un espace scénario. Nous ne jouons pas avec les scénarios. Cela suppose l'utilisation d'un logiciel un peu confus, un peu difficile. Nous savons gérer les robots d'une autre manière si nous voulons animer des univers automatisés. Nous n'avons pas besoin de passer par des choses aussi complexes. Si un spécialiste veut s'intéresser à ce domaine, il peut suivre une formation, certainement. Il est essentiel de laisser cette zone telle qu'elle est, puisque l'espace scénario, c'est pour les espaces de gamers et de jeux. Voilà, je ferme ça. Quand on ferme la gestion, on se retrouve sur le dashboard avec la totalité des espaces. Vous voyez, actuellement, il y a 7 pages. Il y a des espaces qui sont plus lourds que d'autres, difficiles à ouvrir. Ça tient à leur contenu de base, trop riche. Par exemple, celui-ci, la grande exposition, elle nous a été donnée telle qu'elle, elle est extrêmement complexe. Les autres sont beaucoup plus simples. Il y a quelquefois des espaces qui n'offrent pas la même dynamique ou la même mobilité. Certains espaces sont peut-être un petit peu moins modernes que d'autres. Il faut savoir, pour finir, que l'entreprise LearnBright pense à une amélioration importante dans l'avenir de sa plateforme qui utilisera beaucoup plus d'intelligence artificielle. Une deuxième chose absolument fondamentale pour le gestionnaire ou les gestionnaires éditeurs, ça peut être un éditeur provisoire, il doit savoir qu'il y a un espace où sont placés tous les fichiers dont vous pensez avoir besoin. PDF, fichiers audio, vidéo peut-être, différentes sortes de dossiers aussi. Vous pouvez avoir des professeurs qui ont un dossier spécial. Quand vous appuyez sur le lien LearnBright en bas, cela va ouvrir avec les pseudos que vous avez déjà mis en place pour votre édition. Et ici, vous voyez, il y a tout un tas de dossiers possibles. Ça, c'est un document sans valeur, c'est juste un essai. Sinon, là, vous avez éventuellement des objets 3D que vous avez achetés ou téléchargés, des fichiers audio, et évidemment, ils peuvent être très nombreux, ils peuvent être spécifiques, c'est-à-dire appartenir à un groupe spécial, par exemple les fichiers MP3 venant de l'école de langue du Canada. Sinon, vous avez des petits fichiers. Ici, à droite, vous avez des zones pour connaître les détails, comment vous avez noté le fichier MP3. Vous en avez de toutes sortes, bien évidemment. Pour les écouter, il suffit de cliquer sur le centre de la vignette. Quand vous voulez exporter ou connaître le code d'un fichier, vous voyez en haut une petite barre, « A public link » a été mis dans votre mémoire. Vous pouvez évidemment la coller, puisque maintenant elle est déjà copiée, dans un espace. C'est-à-dire que tous les fichiers, que ce soit audio, vidéo ou autre, que vous avez téléchargés à l'avance quelque part, vous pouvez les attacher à la plateforme à un endroit spécifique. On peut décider que quand un robot a fini de parler, la dernière chose qui se passe, c'est un applaudissement ou une musique, ou bien un fichier MP3 de l'école de langue. Vous avez évidemment d'autres éléments intéressants. Ça, c'est évident que ce sont des vignettes la plupart du temps. Ces vignettes sont des liens cliquables quand ils sont dans les salles de classe, sur les murs, et ils permettent de décorer, d'illustrer et d'attacher des liens. Il y en a qui sont évidemment obsolètes, mais le mieux c'est de les garder tant que l'on s'aperçoit qu'on n'a pas atteint 1 giga. Bien évidemment, comme toute plateforme et tout dossier, c'est en évolution. Il y a évidemment des sous-dossiers, c'est très important de classer. Il peut y avoir aussi des vidéos. Évidemment, c'est malheureusement la chose la plus lourde souvent. Et il y en a quelques-unes, elles sont utiles, mais quelquefois le mieux c'est d'héberger ailleurs. Actuellement, les hébergements SharePoint de la cité ne permettent pas un streaming efficace en direction de la plateforme 3D.
Donc il faut faire une sélection de fichiers pas trop lourd, de façon à rester en dessous de la valeur 1 giga qui est limitée, qu'on ne peut pas modifier. D'autres choses peut-être intéressantes. Des documents différents. Vous voyez, il peut y avoir un professeur qui a son document. Là, vous avez des fichiers vraiment spécifiques, des fichiers images à l'intérieur des fichiers audio. Pourquoi? Ben parce que ces fichiers-là vont dans la fameuse grande exposition où il y a les 23 fonctions langagières en cours de construction. Et donc, ça, ce sont les images qui sont des liens qui ouvrent des PDF. Et là, vous avez les PDF. Chaque petit PDF, c'est une fonction langagière. Il est évident que elles sont là parce que c'est le meilleur moyen de les avoir disponibles pour que les visiteurs, les apprenants, quand ils sont dans la 3D, en cliquant, voient une fonction langagière, écoutent un robot qui exprime le contenu du texte, etc. Il est important de connaître le contenu de ce storage. Actuellement, nous avons une petite difficulté avec Bots sur les ordinateurs de la cité. Il y a quelque chose qui est un bug. Nous avons déjà un grand nombre de robots disponibles, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu. Les robots sont habillés, les robots portent des noms. On peut évidemment les modifier, mais actuellement, le bug nous en empêche. Quand je suis dans l'édition de cet espace, je vois ajouter bot, robot. Et quand je clique, je vois apparaître les robots qui ont été créés et qui ont des visibilités différentes. Un a été créé anglophone, les autres sont francophones. Actuellement, je ne peux pas créer d'autres robots hispanophones, par exemple. J'aurais bien aimé pouvoir le faire. On vous montre ceux qui sont déjà dans la salle de classe, déjà dans cet espace, et tous ceux qui n'y sont pas. Le nombre de robots dans un espace peut alourdir la navigation pour les visiteurs. On peut, quand on est dans un espace, décider de changer le nom d'un robot. Donc je vais initier Editing. l'édition, je vais cliquer, je vais peut-être me rapprocher un peu de ce robot. Je vais cliquer sur lui. Poup, peut être derrière, c'est pareil. Quand vous voyez ces trois boutons, la croix de gauche, c'est pour faire tourner ou déplacer. Attention, bien contrôler sa souris, sinon le robot peut disparaître au fin fond de votre univers et être perdu. Ici, vous avez la possibilité de changer son nom et au milieu de créer ou de modifier un dialogue. Là, il y a marqué bonjour, ce matin nous suivons la planification. Voilà, pourquoi pas, c'est une introduction, c'est comme une salle de démonstration. On peut changer aussi la distance de l'avatar par rapport à la caméra. On peut aussi ajouter des éléments, des gestes. On peut rajouter plein de choses, du téléportage. On peut ajouter des éléments en code, ça il faut un peu d'expérience. On peut avoir un robot qui parle et quand il a fini de parler, il s'en va ailleurs. On peut avoir un robot quand il a fini de parler, c'est le visiteur qui est déplacé. On peut avoir des systèmes de code, évidemment, tout ça est extrêmement intéressant et demande une petite préparation. Le dernier espace, c'est là où vous mettez le lien que vous avez sélectionné sur Internet ou éventuellement sur votre storage. Pas grand-chose d'autre à expliquer pour l'instant pour une personne qui prendrait la suite ou qui remplacerait l'éditeur actuel. Vous pouvez évidemment ajouter des choses dans un espace, ça peut être des objets, ça peut être des images. Ça peut être des vidéos déjà existantes, ça peut être une vidéo que vous avez hébergée quelque part. Dans ce cas-là, vous mettez le lien de son hébergement ici, sur YouTube ou bien dans le storage.
Il est possible aussi dans un espace de créer un environnement, et donc ça, ce sont des images circulaires qui vont se mettre autour de votre salle de classe, par exemple. Certains sont utiles, d'autres sont inutiles parce qu'ils ne sont pas beaux. Vous pouvez en créer vous-même, bien sûr. Voilà, nous finissons ici la petite démo qui permet essentiellement d'entrer dans la gestion de manière un peu globale et évidemment d'étudier cela. Il faut quelques heures, quelques dizaines d'heures pour arriver au bout de tout cela. Si par hasard vous faites une erreur de gestion, les ingénieurs de leur Bryant pourront sauvegarder, récupérer ce que vous avez mis en place. Si vous avez détruit quelque chose par erreur et qui est fondamental, la 3D existe toujours chez LearnBright. Voilà, nous avons fini.